Jota, bitch. Yeah. En ce moment, qui se demande qu'est-ce qui se passe, c'est que nous allons déguster une soupe au pois maison. Une soupe au pois très délicieuse qui a été mijotée dans la canne même. En ce moment, nous avons la cuillère ici, comme tu peux voir. Je vais tenter de prendre une bouchée, déguster cette saveur pour commencer. Est-ce qu'il est très bon de goûter remarquable? Donc, moi je te dis bon appétit. Donc, je vais manger la soupe au pois avec petit pois et jambon. Jambon fumé, bébé. C'est super délicieux. Moi, là, quand je mange la soupe au pois, j'aime beaucoup ça. Ok, parce qu'après, ça me fait péter. Après, je fais des pets, j'ai beaucoup de gaz. C'est vrai quand que je fais dodo, là, c'est vrai que je pète beaucoup, puis c'est vrai que ça pue des fois. Ouais. Quand je prends un bout de jambon, là, c'est tellement bon pour le bedon. C'est succulent. Non, ouais, on te dit. C'est parce que toi, t'es pas là pour le voir. T'es pas là pour le croire. Moi, je sais, je te compte pas d'histoire. Quand je prends un jambon fini, là, on va comment on va le mettre dedans. Un morceau de jambon. Un morceau de jambon. J'ai échappé un de ma bouche. Qu'est-ce qu'il fait dans la soupe au pois? C'est parce qu'il y a beaucoup de fibres. Il y a beaucoup de fibres. Il y a beaucoup de sel. Ça, c'est le défaut. Il y a beaucoup de fibres avec des protéines. Puis je te dis, après avoir mangé une canne en 5-10 minutes, t'as le bedon plein en masse. Même des fois, t'as la misère à boucher, à bouger, ça. Puis même des fois, tu penses que peut-être tu vas mourir. Un morceau de jambon. C'est bon parce que des fois, tu. C'est une soupe au pois, j'aimerais pogner plus de poirons. Parce que quand je pogne plus de poirons, c'est plus beaucoup bon. Mais là, j'en pogne moins. Tiens, je pogne plus de la purée de poids qui a été décapitée. Des fois, j'en. Oh, un morceau de jambon, regarde. Me péter, lui. C'est quoi, je disais? Ah, les bouts de. J'aime ça pogner des petits pois fermes, durs. Sont bons des fois, ça fait changement que la purée. Moi, hein, j'aimerais ça visiter l'usine. J'aimerais ça nous visiter l'usine où ils font les petits pois, d'un canne de pois. Ils vont voir comment c'est fait, ces affaires-là. C'est quoi qu'ils mettent dedans? Là? Ils mettent-tu du sel? Ils mettent-tu du sucre? Ils mettent-tu des pois? Est-ce qu'ils mettent du jambon? On n'est pas un bout de ça. Quand je pogne un bon. J'aurais pas en parler des morceaux de jambon, mais c'est vraiment beaucoup bon. Là. C'est malade, c'est comme pic-pac dans ma bouche, c'est pic-pac plein de saveurs. C'est tellement hot. Deux morceaux de jambon, même trois, je sais pas là. On dirait qu'ils sont dans le fond, là je suis rendu dans le fond là, pis on dirait que j'aurais pas tombé sur le bout de jambon là, pis t'sais, quand j'ouvre ces bouts de jambon là, c'est vraiment beaucoup bon là, t'sais. Vraiment bon, beaucoup bon.
J'en ai vu une dose de calories, moi. Ah, c'est vrai, je suis filmé. Mais oui, des fois t'es filmé, des fois t'es pas filmé. Mais là, t'es filmé. J'essaie de pas faire de beaucoup de bruit. Parce que quand je fais le bruit avec la cuillère sur la canne, quand ça fait brrr comme le poisson d'un instrument au primaire, hein? Ça te dit quelque chose? Mais ça réveille les voisins. Les voisins sont pas tout le temps contents. De Commandoon quand Carayam, c'est moi dans le monde 3. Bon, mais fais-moi la caméra, c'est fini, t'as parlé avec les vidéos. Toi, laisse-moi aller manger d'autres choses, j'ai faim, moi.